Salut à tous, c'est Alex le Saveur et l'on se retrouve pour un nouveau let's play d'un jeu Super NES. Il était une fois Bébé Mario et Yoshi, vous avez peut-être reconnu ce jeu. Peu avant l'aube, une cigogne se hâte. Une cigogne, parce que j'ai envie de prononcer les O comme ça. Voilà, une cigogne. Dans le ciel encore obscur. Dans son baluchon sont nichés deux jumeaux. Soudain, aussi vive que l'éclair, une ombre. Une ombre quoi? Traverse les nuages. Donc ce let's play est lancé en l'honneur de la sortie de la SNES Mini et il a été choisi par les lecteurs de Frandroid. Je veux ces enfants! Donc n'hésitez pas à consulter les autres let's play de Super NES. Et hop, au passage, elle s'empare du petit colis. Il y a Donkey Kong Country, il y a Super Mario World, Super Mario RPG, Super Mario Kart, Secret of Mana. Mais un des bébés commence à tomber. The Legend of Zelda A Link to the Past, bien évidemment. Qui est terminé d'ailleurs. Pendant ce temps, sur l'île des Yoshi... Beaucoup de Yoshi vivent ici, et l'un d'eux... Le Yoshi vert, comme d'hab, entame une petite balade. Quoi donc ? Un bébé tombe sur son dos. Mais tout va bien, il n'est pas blessé. Et quelque chose choit à ses côtés. Du verbe choir. On dirait une carte. Serait-ce... Serait-ce quoi donc? À la cigogne? Yoshi est perplexe et décide d'en parler à ses amis. Crrr, crrr, oh! Kamek n'est pas content. C'est Kamek, le magicien retors du royaume Koopa. Il a réalisé qu'il manque un bébé. Et ordonne à ses acolytes de le retrouver. C'est quoi cet horrible crochet qui pend là? Quant à Yoshi, il rejoint ses amis. Inconscient du drame qui se prépare. Les acolytes, eux, ratissent l'île. Tiens, pas d'accent circonflexe à île? Depuis quand? Et recherchent l'autre bébé. Est-ce que les jumeaux pourront enfin découvrir... Découvrir quoi? Le visage de leurs parents. Eh ben nous on le connaît pas en tout cas le visage des parents de Mario et Luigi. Donc première apparition de bébé Mario et bébé Luigi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait Mario n'a pas rencontré Yoshi adulte quand il était en voyage à Dinosaur Island dans Super Mario World. Mais il l'a rencontré tout bébé. Voici Super Mario World 2 Yoshi's Island, sorti en 1995 sur Super NES. Bien, écoutez, je vous propose de se lancer tout de suite dans l'aventure de ce jeu de plateforme. Donc là, on change totalement de style graphique. Mais on garde des couleurs très pastel. Voici l'île où vivent tous les Yoshi. D'ailleurs, île a eu droit à un petit accent circonflexe, je suis rassuré. Actuellement, c'est la panique, car un bébé est tombé du ciel. «
Il réalise que le bébé semble savoir où il veut aller. C'est connu, les jumeaux sont télépathiques. Je dirais plutôt télépathes, mais bon. Yoshi décide donc de relayer le bébé. L'aventure de Yoshi et du bébé va débuter. Et ben c'est parti, on commence évidemment avec Yoshi vert. Regardez-moi cette animation, c'est beaucoup trop mignon. Voici l'île de Yoshi. Lorsqu'un ennemi vous touche, bébé est désarçonné et les étoiles du compteur diminuent à toute allure. S'il atteint 0, les acolytes de Kamek kidnapperont bébé. Récupérez-le avant pour que le compteur remonte doucement à 10. Dépêchez-vous ensuite de le passer au prochain Yoshi. Plus vous avez d'étoiles, plus vous êtes en sécurité. Donc vous avez bien compris, on ne meurt pas... Si, on peut mourir d'ailleurs, il y a du vide, il y a des pics, trucs comme ça et tout. Mais le plus grand danger, ce sont les acolytes. Alors, bon, je peux faire comme ça, ou alors je peux faire comme ça. Alors, je regarde. Enfin, peut-être que je re-règle la manette parce que c'est pas hyper fluide les changements de sens. Ou alors c'est juste que ça, je ne suis plus habitué à jouer à la croix. Bon non, tu me diras, je joue à la croix sur Secret of Mana, tout ça. Sur Super Mario. Hop là. Et voilà, c'est parti pour le vrai premier niveau. Donc chaque monde, il y en a 6 je crois, se découpe en 8 niveaux comme vous voyez, dont 2 châteaux, ce qui nous fait 2 boss par monde, c'est pas rien. Et il y a aussi 2 petits trucs cachés là. Un niveau secret et un mini-jeu. Pouf! Alors ce jeu... Alors, niveau 1-1, faire et lancer des œufs. Ce jeu est ressorti sur Game Boy Advance. Sous le titre Super Mario Advance 4, si je dis pas de bêtises. Avec des différences graphiques quand même, parce que la Game Boy Advance n'était pas aussi puissante que la Super NES. Malgré tout. Collecter 5 fleurs et gagner un 1-up. Elles font aussi partie du score à atteindre. Ah, j'ai plein de choses à expliquer. Alors, on peut aussi tirer dans ce jeu. Si je retrouve le bouton. Lancer un œuf. Appuyez sur A pour déplacer le viseur. Au moment opportun, appuyez encore sur A pour lancer un œuf. Dès que vous trouvez un point d'interrogation, touchez-le avec un œuf. Pour annuler votre tir, appuyez sur en bas. Ok. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Voilà, donc les petites étoiles pour remonter le compteur. De quoi je vous parlais? Oui, donc les animations sont un peu moins jolies sur... Enfin, les décors surtout. Sur Game Boy Advance. Là, c'est bien animé, tout est joli, tout est beau, tout est coloré. Alors, les pièces rouges. Donc, il y a des pièces rouges, il y a des fleurs, il y a des petites étoiles. Si on réussit à tout avoir... Donc notamment 30 étoiles, les 5 fleurs et les 30 pièces rouges, on obtient 100 au score. Et si on obtient tous les 100 d'un même niveau, d'un même monde plutôt, de tous les niveaux du monde, on débloque des niveaux secrets. Bon, évidemment c'est pas très difficile au début, mais après ça se corse. Ah bah tiens, justement... Une pièce rouge. Alors les pièces rouges on les reconnaît un petit peu parce qu'en fait elles n'ont pas exactement la même couleur que les pièces noires. Vous allez me dire oui c'est normal elles sont rouges. Non mais même quand elles sont jaunes là vous voyez. Là les trois pièces à gauche une pièce normale. Enfin j'ai dit noire mais c'est juste la couleur en fait. Il y a une légère teinte rouge sur les pièces rouges là. Ces trois là ça se voit elles sont rouges. Alors ces petites fleurs si on lance un ennemi dedans ou un œuf. Bon, j'ai loupé. On va plutôt utiliser l'œuf. Coincé. Au rebond. Au rebond. Pas du tout. Ah. Alors, vous voyez, les œufs. Les œufs. Les œufs changent de couleur. Ils libèrent soit des pièces, soit des étoiles quand ils se rompent, ceux-là. Normalement, ils se brisent, hein, les œufs. Mais là, comme c'est. Voilà. Là, il est cassé, par exemple. Ah, mais c'est pas vrai!
Je suis nul. Ça commence bien ce let's play. Ok, comme d'habitude, loup. Loup la galère. Voilà. Cette charmante tulipe qui rappelle les fleurs de feu d'ailleurs de Dinosaur Island nous offre des petites étoiles. Donc qu'est-ce qui se passe si on perd bébé? Eh ben on a 30... enfin ça dépend, de 10 à 30 secondes pour le récupérer. Sinon c'est foutu. Et c'est une mort du coup hein. Il y a d'autres morts, il y a les pics, il y a le vide bien sûr, mais il y a aussi bébé à garder sur son dos. Voilà, donc je prends juste les pièces rouges parce que les autres, on s'en fiche un petit peu. Alors, voilà, là, il y a une étoile. On va essayer d'avoir quand même 100 points au premier niveau, ce serait bien. Pff, oh là là, la tristesse. Eh, oh! J'ai pas peur. Elle ne bouge pas. Les fameuses plantes piranhas, vous les connaissez. Alors, un tuyau qui génère des ennemis à l'infini, c'est toujours pratique quand on a quelque chose à péter. On a 30 étoiles. Maintenant, il faut plus se faire toucher. Il faut garder ces 30 étoiles. Donc, on peut avaler la plupart des ennemis pour les transformer en œufs. Poum 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 poum. Ah, toi si je me souviens bien. Ah non, c'est pas ici. Y'a pas un petit truc caché quelque part? Ah voilà. Je me disais aussi. C'est juste des pièces, ok. Par contre. Ah. Donc les mascas apparus dans Super Mario Bros 2, la version USA. Ah bah tiens. Elle s'est remise là-dedans la fleur. Ah voilà, ça c'est le petit bruit qui nous indique qu'on a toutes les pièces rouges. Donc c'est bon, on peut aller tranquillement vers la sortie. Dans chaque niveau, 20 pièces rouges. Ah c'est 20 seulement, je croyais que c'était 30. Sont dissimulées parmi les jaunes. Elles vous seront comptabilisées dès que vous atteindrez l'anneau goal. Ça c'est pratique. Voilà. Donc surtout, ne pas se faire toucher. Mais il y a des étoiles ici, qui se transforment en pièces une fois qu'on en a 30. On va éviter les mascas, ce serait un peu con. Et voilà! Alors si on tombe sur une fleur, on a un mini-jeu. Est-ce qu'on va avoir le mini-jeu? Changement de Yoshi, changement de couleur. Ça n'a aucun impact, hein, contrairement à Super Mario World. Oh, non. Bon, pas de mini-jeu. Le décompte des points. Il enregistre le meilleur score. Waouh, 100 points. Une petite fleur du coup. Le plus élevé, c'est les 100 points. Bah c'est parfait. Premier niveau, parfait. C'est parti pour le deuxième. Jusque là, ça va. On maîtrise. Donc j'ai conservé mes œufs. Oh, attention, des toutou-bombes. Le son a un peu merdé. Donc c'est très dangereux. Enfin, surtout. Voilà, faire gaffe aux ombres. Waouh. J'ai eu chaud. Alors là, évidemment, si on se fait toucher, on est emporté dans le vide. On se calme, hein. Petite attaque rodéo qui permet donc d'écraser des pylônes et de tuer certains ennemis. Ah, on vérifie qu'il n'y a rien dans les pylônes. C'est bon. Hop. Un anneau, voilà, on le traverse. Ainsi on redémarre de ce point. Si on perd avant la fin du niveau, c'est le checkpoint, tout bêtement. Vous vous souvenez, appuyez sur Y pour avaler l'ennemi et en bas pour pondre un œuf et appuyez sur A pour le lancer. Alors. Voilà. On peut récupérer plein d'objets. Vous avez remarqué, les ennemis se transforment en étoiles hein, si ils sont sur l'écran au moment où on rentre dans le checkpoint. Alors, il y a plein de murs cachés dans ce jeu. Du coup, il y a plein d'objets cachés.
Alors, par où on va? Ok, là les 30, bien. Est-ce que j'ai tout exploré en dessous? On n'a pas de temps, hein, contrairement à Super Mario World. Donc on peut prendre le temps d'explorer. Je vais voir quand même ce qu'il y a au-dessus. Faut vraiment tout explorer. Je dirais pas que c'est plus facile que Super Mario World pour autant. Hein. Le score en cours pour start et utiliser des objets gagnés dans les bonus challenge. Ok, bon, ça c'est bon. C'est très différent. On a souvent une image de Yoshi d'un jeu, comme un jeu facile. Celui-là n'est pas si facile si on veut le finir à 100%. Disons qu'il est un peu différent. On a plus de collectionnites. Une transformation. Donc c'est un des petits gimmicks justement aussi de cet épisode. C'est qu'il y a des transformations. Voilà. Donc Yoshi peut se transformer en hélico, en plein de trucs. Et normalement, il faut appuyer sur le bumper de sortie. Sinon, on revient au point de départ. Mais en même temps, tant que j'ai pas vérifié tout, voilà. Morphing. Alors, cet hélico vous dit peut-être quelque chose. On le voit dans Mario Kart Double Dash, dont je fais le let's play également, dans le circuit Yoshi. Si vous en souvenez, vers la fin du niveau, il y a un hélico Yoshi vert qui apparaît. Parce que non, sa couleur change selon la couleur du Yoshi. Donc là, j'ai récupéré la fleur, c'est bon. Vite! Ah, zut! J'y étais presque. Bon, c'est pas grave. Badum. Regardez comme c'est joli quand même, cette espèce de mer infinie. Avec des petits nuages. Attention à pas les toucher. Ça me tue pas, c'est juste que ça me... Oh. Vous voyez? Bah, heureusement. J'aurais pu louper ces pièces rouges. Alors, d'ailleurs, là, avant de sortir... Ok. On est à 17 pièces rouges et 4 fleurs. Donc j'espère que les 3 pièces qui manquent et la fleur sont ici. La fleur y est, en tout cas. Sont ces 3 pièces rouges, j'ai bien l'impression. Et bah voilà. Donc ils sont gentils, ils me donnent des étoiles juste avant la fin, mais ils laissent quand même quelques ennemis. Ouh. Y compris des toutous bombes. Ouf. On a les 100 points. Ah. C'est parti pour le troisième niveau. La grotte des mini piranhas. Bah déjà on est accueilli ici. Il fait juste qu'il n'y a rien. Bon a priori... Ah si. C'était pas volontaire. Ah bah ça c'est con par contre. Bon j'espère que c'était pas un... Une fleur ou un truc comme ça. Hein. C'est peut-être des étoiles. Oh. Hop là. Bon, je pense que là, il m'apprend l'attaque rodéo. Voilà. Appui en l'air. Ça marche aussi sur les caisses. Donc les caisses ont 6 étoiles, tandis que les petits... Oh, pas mince. Les petits points d'interrogation en nuage n'ont que 5 étoiles. Donc un niveau caverneux.
Ah, vous voyez, il y avait une petite pièce cachée. Donc là, ça va pas assez vite, donc ça arrive pas à casser le truc. Ah non, ça peut casser que celui du bas en fait. Ok. Ah! Voilà. Donc les mini piranhas sont là. On les connaît, hein, ces petites croqueuses qu'on retrouve dans les épisodes de Mario. Oh bah voilà. Perdu bébé, la bubule, vite! On perd des étoiles. Ouf, voilà. Heureusement, Yoshi a une grande langue. Alors, elle. Ah si, on peut les transformer. C'est pas celle-là qu'on peut pas transformer en œuf. Alors, il y a deux façons de lancer un œuf, la sage et la osée. Voulez-vous changer? Non. Non, je suis habitué. Je crois que je suis en sage. De toute façon, on peut changer à tout moment, je pense, dans les options. Voyez, petit fantôme. Appuyez, petit fantôme. Alors oui, les rochers permettent aussi de découvrir. Voilà. Ces petits nuages. Alors voyez, la détente de Yoshi, quand même, les sauts qu'il fait, plus sa capacité de vol. C'est assez fou. C'est pas Mario qui en ferait autant dans Super Mario World. Hein. Ah là, il faut une clé. Alors, où trouver la clé? Oula, 4 pièces rouges. Alors, hop. Donc là, on est bon. Où est la clé? Alors là, hop. Si on les mange assez vite, ça évite de les faire apparaître. Par contre, on peut pas les faire en œuf. Hop, là. Ok. Ok, donc juste des étoiles. J'ai cru voir un autre ballon. Ne serait-ce pas... Si! La clé! Voilà. Ah, je m'en doutais. Viens ici, mini piranha. Ok, alors hop. Maintenant, on peut aller voir le mini-jeu. On va jouer avec un brigand. Partie de ballon. Effectuez correctement la séquence dans le temps imparti et lancez le ballon à l'adversaire. Celui sur lequel le ballon crève est le perdant. Alors, faut que je me souvienne des. Ok, donc ça, c'est pas le A. Parce que j'ai pas une manette SNES là. Hein. Là, là, là. Ah. X, Y. X, Y, A, B. Allez. Oh là là, le suspense. Alors, on peut faire de l'anti-jeu aussi, hein, et garder le ballon et le laisser éclater. Faut juste être sûr de soi. Oh purée. Pff, oh ce stress. Oh ça va être pour moi là je pense. Oh purée. Salopard. Bon c'est pas grave. J'ai juste pas gagné d'objet. Pop. C'est joué, c'est fini. Ah cool. Les petites étoiles sont revenues. Voilà. Attention. Ah c'est rempli. Voilà. Bon débarras. Gaffe aux fantômes. Je pense pas qu'on puisse entrer. Ah si, on peut entrer. J'ai bien fait d'aller voir. Ah bah ça ressemble à ceux de... Super Mario Bros 2 justement, il y avait plein de
plein de trucs comme ça dans Super Mario Bros 2, c'est juste les trucs pour générer des monstres. On va reprendre notre petit caillou. Notre toutou caillou. Donc ils ne servent à rien du coup. Alors. Ah ah! Déjà. Il y avait une vie cachée là. Et ici. On est où? Trois pièces et une fleur encore, comme tout à l'heure. Tiens. Ah! Un passage secret, vite! Oh! Alors, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de pièces rouges ici. Bon, c'est juste des pièces pour le pour la joie des pièces. Ok. Bon, écoutez, ma foi, on va pas se plaindre. Oups. Bon, bah voilà. And it's over. Voilà. Je vais quand même regarder s'il n'y a rien. Oui, on comprend que tu klaxonnes. Je sais pas si vous entendez, c'est relou. Ah, une fleur. Attention, non, reviens. Pas si fort, pas si fort, pas si fort. Doucement, doucement, stop, 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 stop. Non. Ah. Mmh. Oh purée. Ça va être les dernières étoiles qui va me manquer, tu vas voir. Quelle bêtise. Voilà. Oh purée. Il va me manquer 3 étoiles pour finir. Je vais être deg. Oh non, c'est triste. Oh non. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Oh, pour les 100 points. Bon, c'est pas grave. Boum. Allez, 97. Bon, c'est déjà ça. On refera vite fait le niveau un jour. Hop. Alors le truc c'est qu'il faut reprendre à nouveau toutes les fleurs et toutes les pièces rouges. C'est en un run qu'il faut tout avoir. L'antre du gros BX, notre premier château. Tout a l'air normal. Et pourtant. Alors pas mal de petits effets de 3D dans le jeu, vous verrez. On me donne des œufs. Là, voilà. Bam. Des fantômes, des masques fantômes. Tiens. Des petits Bélixo. Alors, pour les tuer, pas le choix. Voilà. Et du coup, lui, il est pas content. Après, ils sont pas très dangereux, hein. Faut juste éviter d'être en dessous quand ils rebondissent. Mais là, peut-être avez-vous remarqué quelque chose d'étrange, à savoir un mur cassé. Et voilà. Et hop là, fioup. Mm-hmm. Ah bah décidément.
Il est pas en bon état, ce château. Attention! On peut se faire tout le niveau comme ça. Mais bon, il y a plein de pièces à récupérer, bien évidemment. Attention, c'est dangereux par là. Attention, bon, tant pis. C'est triste. RT si c'est triste. Like si c'est triste. Commente si c'est triste. Partage si c'est triste. Attention à la lave. Attention à ça. Hop. Hey hey. J'ai pas peur moi. Et surtout maintenant je peux cracher du feu. Je crois que ça passe pas les tuyaux par contre. Malheureusement. Voilà, effectivement j'ai perdu le pouvoir. On est déjà à 30. Ok, ça c'est bien. Et hop, un chemin apparaît. Ouais, un monstre aussi, hein, on voit ses sourcils. C'est un petit monstre. Il est où? Bon, il est plus là. Alors, hop, là. Pour avoir la fleur. Et ici. Oula! Doucement. Attention. Mais tu sautes plus tôt. Coucou petit monstre. Il fait un bruit de tonnerre quand il apparaît. Voilà. Et hop là. On fait bien le tour. Je crois que c'est une pièce classique qui m'attend là, mais on va quand même la prendre, on ne sait jamais. Un tuyau. Oh. Ouh, ça rappelle le château de Wendy dans Super Mario World. Si vous avez vu Let's Play, vous devez forcément vous en souvenir aussi. Alors, contrairement à Mario, je peux pas passer en dessous en m'accroupissant. Passer par au-dessus, voilà. Alors, s'ils ont caché des pièces rouges ici, je te raconte pas. Mais je pense pas que ce soit le cas, ils sont pas vicieux à ce point quand même. On voit la lave au-dessus. Oh là là, toutes les vies! Et tous les débiles qui se font attaquer! J'aime bien le petit cri de Yoshi tout triste quand il peut pas avaler quelque chose. Alors, donc là, il y a une porte avec une clé, on n'a pas la clé. On va continuer par là. Ouh! J'avais oublié ça. Au moins, on a tout. Ok, il manque une fleur et quelques étoiles. Tiens, un pot de fleurs. Et si on le cassait pour trouver la clé? Tu te calmes! Voilà. Donc on n'a pas du tout le même rapport au vide avec Yoshi parce qu'il peut voler sur de longues distances. Donc Oh, quel con! Heureusement que je disais que c'était pas dangereux. Voilà. Oh là, c'est quoi ce harcèlement? Hop, à la Zelda. Tu tues tout le monde. T'as une récompense. Pam pam pam. Voilà. Un petit peu de... Ouais. Un petit peu d'étoile, mais c'est bon, on est à fond, on a tout. Oh! Doup 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 doum. Petite musique gentille.
Hey Yoshi, mon joli, si tu veux t'en sortir, déshabille Bélixo. Alors Bélixo, évidemment, jeu de mots avec Obélix, puisque vous avez remarqué son petit pantalon bleu et blanc comme Obélix. Il est tout grand, tout gros, tout rond, tout grand donc. Et il a la magie de Kamek qui fait d'un ennemi classique un grand monstre. Alors, pas très dur comme boss en fait, faut juste se placer là. Déjà j'aurais dû rentrer avec des œufs mais bon. Je fais le plein maintenant. Donc il se déshabille petit à petit, hein, vous voyez. Oula, faut faire attention quand même. Ah. Ah. Pas sorcier, hein, c'est un premier boss, faut y aller tout doux. Si vous êtes sage, on se fera la suite de Yoshi's Island, Yoshi's Island DS et New Yoshi's Island, si je dis pas de bêtises. Yoshi's New Island plutôt, je ne sais plus. Mais dis donc, tu perds ton froc. Tu vas pas me faire perdre. Ah voilà. Oh, mais il est tout nu. Oh, forcément, un petit peu honteux. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Et bah c'est parti pour le niveau 5. Allez, on met le doigt dessus. Les plateaux catastrophiques, c'est tout un programme. Oh, un niveau à scrolling automatique. Au-delà se trouvent des plateformes qui s'écroulent si vous restez trop longtemps dessus. Prudence donc. Ça, les fameuses plateformes en forme de petites dents. J'ai toujours vu plus ou moins des petites dents, moi, quand j'ai joué à Mario en voyant ça. Pas la peine de perdre trop de temps à récupérer des pièces qui ne sont pas rouges. En revanche, les pièces rouges... Ah, bah voilà, ça par exemple. C'était un saut non maîtrisé. Bon, avec 16 vies, ça va. Catastrophique comme ma manière de jouer, bien évidemment. Et là, ok. Je veux bien des œufs. Donnez-moi les œufs. Ah, ça c'est marrant, il faut le faire tourner en fait pour le faire avancer. Et ça fait de la musique. Évidemment, on cache des trucs. Bon, alors j'ai de la chance parce que des fois, c'est des masques. Oh, j'ai pas tombé. C'est des masques qui restent là qu'un certain nombre de temps en fait. Ils repartent vite avec leurs pièces rouges et ça c'est embêtant. Quand c'est une vie on s'en fout, quand c'est une pièce rouge, ça nique un 100% quoi. Ah, une petite fleur. Il y avait une petite fleur. Oh merde. Si je me trompe de bouton aussi. Ah purée. Ok, par là y'a rien. Faut pas appuyer trop d'eau, ça ne sert à rien. Ok, c'est bien, ça me rapporte 10 étoiles. Dis-moi qu'il y a rien par là. Mec, tu me fais peur. Ici y'a rien, ici y'a rien. Oh là 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 là. Là, y'a une pièce rouge.
Oula, et oh, oh. C'est ce que je disais, voilà. Donc deux. J'espère que je les trouverai avant la fin. Voilà, on est à 30. Donne-moi ta pièce, pas se faire toucher, pas se faire toucher, surtout pas se faire toucher. Alors là, c'est des pièces jaunes. C'est pour toi, Bernadette. Oh purée, ça c'est chiant. Ok, ouf. Oh mince. C'est des pièces rouges. Vite! Oh. Ouh. Ah bah enfin, mini-jeu. Pouit, 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 pouit. Ah, 100%, ça fait du bien. Un de plus. Gratter. One-up à gagner. Gratter 3 cases. 1 Mario égale 1 one-up. 2 Mario égale 2 one-up. 3 Mario égale 5 one-up. Ok, donc là c'est le pur jeu de hasard. Allez, on commence ici. Super, un acolyte. Bon, ben voilà. Oh, c'est pas vrai. Au moins un. Oh, purée. La blague. Bon, bah, pas de chance au grattage. Hein. On aura peut-être plus de chance au tirage. C'est parti pour le niveau 6. Oh, les masques à suréchasse. Pou, 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 pou. Mascas sur échasse. Tiens, il y a un E à mascas dans ce jeu. Marrant. Je pense que ça a été Redcon sans E maintenant. Moi, je me souviens pas avoir vu un E à mascas. C'est bizarre, est-ce que... Où est la bonne... où est-ce qu'on doit aller? Bah apparemment ici c'est un bonus. Donc en fait si on casse les œufs, donc là. Voilà. Normalement on peut. Ah, je crois que c'est L et R, non? C'est pas L et R pour changer d'œuf. Ah, on peut faire comme ça sinon. Alors cet œuf là, qu'est-ce qu'il libère déjà? Eh ben on le saura pas. Si c'est une pièce rouge, ce sera bien triste. Un œuf jaune, une pièce, un œuf clignotant, une pièce rouge. Bon bah voilà, ok, on a perdu la pièce rouge. Encore un niveau à refaire. À moins que... Bah non, hein. Évidemment. C'est pas grave. Y a pas à recommencer, non. Bon, c'est pas grave. Start select, non. Allez, on va quand même le faire. On fera un run pour les 100% de façon. Alors d'ailleurs, dans le remake, donc qui est sorti sur Game Boy Advance, comme je vous disais, il y a des nouveaux niveaux. Il y a 6 nouveaux niveaux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok, il y a que dalle. Donc c'est marrant qu'il y ait autant de liens dans ce Yoshi's Island et Super Mario Bros 2. Alors je suis un peu loin. Ok, les pièces rouges par contre. Ah, purée. Ok. Donc évidemment on peut pas passer de l'autre côté hein. Pas passer. On ne peut pas passer de l'autre côté. Ok, donc ça c'est un truc obligatoire donc. Voilà. Le flipper, enfin les trucs de flipper c'est... Eh oh, nulos.
Ta-da-pam-pam. On sort déjà? Ça me paraît bizarre. Hey hey, toujours attendre. Les étoiles. Ah bah là, justement, un checkpoint. Donc les ennemis. Ah, oh, purée. Merci. Donc 6 nouveaux niveaux, un peu tordus hein, sur le jeu. Et puis de suite. Hein. De suite qui était moins bien quand même. Dedans il y a d'autres bébés d'ailleurs. Je vous spoilerai pas, mais on peut jouer avec d'autres bébés. Fallait pas les tuer, fallait les recracher dans la tulipe. C'est pas grave. Parce que là j'ai pas d'œufs. Enfin j'ai rien pour faire rebondir mes œufs. Rouge. Bon, la fastoche. De toute façon, on n'aura pas les 100% ici, mais autant faire quand même le maximum. Ah! Il y avait un passage secret. Oh, ça sent la transformation. Et voilà, en... une espèce de Robotop. Alors, on va repérer les pièces rouges directement. Voilà. Le reste, hein. Osef. Vite, j'ai pas envie de me retaper ça. Voilà. Bon, au pire, de toute façon, on peut tout recasser après avec des œufs s'il faut. Ou avec la tête si on est très obstiné. Pousse-toi. Ah, on fait moins le malin. Hein. Ah, c'est reparti pour une grotte. Je vais quand même taper tout jusqu'au bout. Ouais, on sait jamais. Alors on va regarder en bas. Je crois me souvenir que celui-là, il va à toute berzingue. Je préfère voir d'abord. Voilà. Une petite graine pour une fleur. Alors attention, faut pas non plus que ça m'amène dans un... ouh, ça sent la sortie malgré tout. Et je glisse ça. Oh pitié. Et franchement, des morts dans le premier monde, c'est honteux. Bon, attends. Ok, super cool. Fallait s'en douter. Tu m'as énervé de toute façon. Le mec hyper vénère. Hop, allez. Zou. Bah ouais, j'aurais bien voulu finir le premier monde dans la première vidéo quand même. Ok, alors le truc qui s'est pété sans raison. De toute façon, c'était pourri dès le début, j'ai loupé l'œuf clignotant. Donc, à partir de là. Hop là. Hop là. Ah bah tiens. J'étais passé à côté tout à l'heure.
C'est bien ce qui me semblait. Sur un rebond, voilà. Bon, je suis pas arrivé. La sortie. Des étoiles. C'est gentil pour la fin, de toute façon. Ah, quoique. Si, je peux avoir 30. Mais il y avait une vie qui grossissait. Un petit mini-jeu? Non. Non, je suis trop nul, je mérite pas, c'est ça, hein. Bande de filous. Alors, 30 étoiles, 19 pièces, évidemment. On a loupé la première avec la pièce clignotante. C'est vraiment triste. À un point près, quoi. Allez, avant-dernier niveau du premier monde, bien évidemment. Alors, ce niveau a subi un changement de nom. La censure a frappé dans le remake. Parce qu'au début, il s'appelait Cotonou Prout Prout. Alors voilà, donc le mot prout était beaucoup trop choquant, j'imagine. Il a fallu le changer, évidemment. C'est Cotonou les flots, je crois, après. Rien à voir. Donc oui, c'est vraiment le mot prout, hein, qui a gêné. Alors. Voilà. Il suffit de recracher la bestiole. Et on peut casser aussi... Alors, ces petits monstres, vous voyez, on ne peut pas les avaler, ils ont des petits pics. Mais en revanche, on peut les casser. On peut les repousser, par contre. Vous voyez, on ne peut pas les avaler. Alors, des œufs clignotants. Vous vous en souvenez? Ça veut dire pièce rouge. Ça veut dire qu'il faut être prudent les utilisant. Ah oh bah tiens, j'avais pas vu. Pastèque. Qui dit pastèque dit pépin. Voilà, on peut les repousser comme ça. Et c'est très pratique pour tout péter. Là, c'est une pièce rouge. Ah bah enfin. Voilà. Voilà. Voilà comment on récupère la pièce rouge. Alors toi, mon petit. Voilà, la mort. Alors il y a une clé à récupérer quelque part, par contre. Et je pense pas qu'elle soit aussi loin. Voilà, je m'en doutais. Un mini-jeu. Alors, c'est quoi ça? Collecte de pièces. Oh, ça, ça va, c'est pas trop dur. Il suffit d'en collecter plus avant que... Voilà, on peut l'affaiblir. Ça le pète. Lui aussi, il peut. Alors, ces jeux, on peut y jouer à deux, normalement, si je me souviens bien. Laisse tomber, t'as trop perdu. 10 à 3. Et j'ai gagné un objet, c'est donc un point d'interrogation mystère qui va me donner des petites étoiles. Quand je veux l'utiliser, il suffit d'appuyer sur Start. Ce sera toujours utile si à la fin d'un niveau, il me manque que des étoiles pour passer les 100 points. Ça va plus vite, tu me diras, de faire ces œufs ici. Parce qu'ils apparaissent deux par deux, sauf si évidemment... Je me mets au-dessus, ça leur casse la tête. Voilà. Ah oui, bah non. Vieux réflexe. Voilà pourquoi cotonneux prout prout, parce qu'il y a ces espèces de trucs cotonneux. Et vous voyez, je pète quand j'utilise. Poup, voilà. Et ça me rend complètement comme ça. Donc il faut... Ah, c'est...
Voilà, il est bourré, hein, Yoshi, voilà. Faut dire ce qui est. Il est beaucoup moins maniable. Évidemment, je fais que prolonger ma malédiction, là. Mais c'est très joli la façon dont le décor se distord. Alors, vous voyez, quand je saute, j'ai mes yeux normaux. Par contre, là, au sol, voilà, j'ai les yeux un peu... Alors, pour les sauts comme ça... Ah oui, alors, forcément, ici... Ah bah voilà, ouf. Oh, les petits Kirby. Appuie. Appuie, les petits Kirby. On a déjà les 30 étoiles. Alors, ici... Oh, les pièces rouges sont là, mais comment faire pour les avoir? Bon, il suffit de faire comme ça. Mais ici, il y en a aussi, c'est bizarre. Hop. Ah, j'avais galéré à l'époque pour trouver l'astuce. Alors que c'est tout bête. Attends. Comment ça? Il n'y a pas encore... On en a loupé? Ah bah oui, à la dernière. Eh non! On en a loupé d'autres. Bon ben... Décidément. Difficile de s'y remettre. Quatre! Ah ouais! On a dû louper un... Qu'est-ce qu'on a bien pu louper? Un endroit. Eh bah écoutez, c'est parti pour le monde 1-8, le grand château. Quelle étrange bestiole. Vous voyez, à chaque fois, le dessin symbolise un petit peu ce qu'on va trouver dans le niveau. Le château du gros machalot. Donc un machalot qui est écrit comme ça, chamallow et mâché. Donc, hop, toujours ces petits effets de 3D, très sympa. Alors là, attention. Oup! Ouais, alors quand je dis attention... Boulet! Vous avez le droit de vous moquer en commentaire, hein, bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce jeu, si vous avez eu la chance de le faire à l'époque, et si vous, surtout, vous l'aviez fini à 100%. Moi, oui. En revanche, pas sur... Pas sur son remake. Pas fini à 100% sur le remake. Et surtout, j'ai jamais réussi à finir le Yoshi's Island DS, je crois. J'étais bloqué à un niveau. Et impossible de... Je ne comprenais vraiment pas comment sortir de ce niveau. Donc ce sera un petit peu mon défi. Je pense qu'à la fin de Yoshi's Island, celui-ci, je pourrais m'amuser à relancer. Donc là, vous voyez... Oh, il m'embête. Oh, je m'embête. Je m'amuserai à relancer Yoshi's Island DS et essayer de le finir avec vous, du coup. Là, il m'aide à passer, il m'aide à aller à cette sortie secrète et aussi à celle-ci parce qu'on l'a vu tout à l'heure, nous ne sommes pas dupes. Voilà. Pas folle la guêpe. Mince. Ah! Vous connaissez peut-être le bruitage là, quand je passe sous l'eau. Alors l'eau ne me tue pas. Et donc ce bruitage, il nous vient tout droit de Super Mario World. J'arrive pas à savoir par contre ce que c'était. C'est pas le sort que lançait Magic Koopa avec sa baguette. Il me semble que si. Si ça vous dit quelque chose, pareil, un petit commentaire. Hop, alors lui il me saoule, hein. Poissonou là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Frapper le bloc à droite avec un œuf, les plateformes tachetées et dentelées vont basculer. Ah oui, voilà. Donc ça permet de transformer ces trucs là en plateformes. Alors attention, par contre, en dessous, ça fait bobo. Donc là, par contre, ici, c'est chaud, mais... Voilà. Vous voyez? Un peu de casse-tête, quand même, dans ce Yoshi, hein. Plus que dans Super Mario World, en fait. Alors. 2 secondes. Oh!
pas le choix. Hein. Voilà. La bonne astuce. Le brigand, lui, me vole mon bébé. Il faut courir après pour le récupérer. On a toutes les fleurs déjà. Eh ben, déjà toutes les pièces. Mais c'est formidable! Ah, oh, ça. Alors, on peut l'avaler et le recracher. Et quand on saute dessus. Voilà. Vous voyez? Bon, là, c'est un peu fastoche parce qu'on est au début du jeu. Mais à la fin, t'as des niveaux comme ça. Et c'est un peu relou. Surtout pour récupérer toutes les pièces. Ah, la fameuse porte. La musique change là, c'est pas du tout la musique du gros Bélix. Hein. Toujours Kamek. Ne vois-tu pas que le bébé désire aller au château de Bowser? Si tu veux, je peux l'amener. Alors, donc un petit morceau de monstre comme ça. Et là, brrr, toujours les effets 3D. Boss pas dur. Hein. Ça rappelle aussi un boss de Secret of Mana d'ailleurs. Alors, voilà. En fait, il peut pas me faire de. Il peut juste me pousser dans la lave à peu près. Oh purée, con! Il y a juste les petits qui peuvent me faire du mal et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'aurais pas toutes les étoiles. À moins que. Je fais des rebonds. Voilà. Attends deux secondes. Attends. Ah merde. J'ai pas réussi à libérer des. Ah oh. Flûte. J'aurais pu libérer des étoiles, tant pis, c'est pas grave. On refera le niveau à la fin du let's play. Pour avoir les 100% partout. La grande clé, mon dieu. Là où il n'y a pas vraiment de carte du monde, hein. Il n'y a pas de overworld comme dans Super Mario World. Dommage pour les étoiles, c'est toujours un boss aussi facile, franchement. Bon, bref. C'est pas grave, on a fini, c'est le principal. C'est du coup la fin de l'épisode. On passe au monde 2, donc il n'y a pas de sortie secrète, il n'y a pas de truc comme ça. Là, donc c'est ça l'overworld en fait. Donc là, on a, voilà, c'est ce qu'on a fait. On est parti de la maison de Yoshi, vous voyez à gauche, qu'on reconnaît aussi par rapport à Super Mario World. Le premier château, bim, on l'a explosé. Et là, c'est la victoire. Le drapeau de Yoshi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On fera le monde 2 la fois prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire. Et puis abonnez-vous en cliquant sur le bouton en bas à droite. Et cliquez sur la description de la vidéo pour avoir une sélection de tous mes let's play. Il y en a près de 40 sur ma chaîne, plus d'une dizaine de terminés. Je vous invite à aller voir, il y a vraiment tous les supports. PC, console, donc Super NES, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, il y a de tout. Mobile aussi, donc allez voir, du Pokémon Go, tout ça. Et tous les genres, bien sûr. Merci à tous et à très bientôt pour la suite de Yoshi's Island. Salut!